Exercice 9, partie A. Find one factor of 2x cubed minus x squared minus 5x minus 2 using trial and error. Alors, cette cubic expression-là, elle est dénotée par f of x égale 2x cubed, retire x squared, retire 5x, retire 2. Alors, nous pouvons essayer ben, différents valeurs x. Nous commençons par 0. F of 0 pour venir 2 fois 0 power 3. Retire 0 sur square, retire 5 fois 0, retire 2. Il est négatif 2. Alors, nous n'avons pas un remainder 0. Nous essayons notre valeur x. X égale n. F of 1. Il est venir 2 fois n sur power 3. Retire n square, retire 5 fois n, retire 2. Remainder est négatif 6. Alors, nous n'avons pas un remainder 0. Nous essayons notre valeur x. X égale négatif n. F of négatif n pour venir 2 fois négatif n power 3, retire négatif n sur square, retire 5 fois négatif n, retire 2, remainder vint 0. Alors x égale négatif n est correct. Nous avons négatif n à gauche, il faut vint x plus n égale 0. Alors facteur là, il faut x plus n. Alors one factor de sa cubic expression là, il faut x plus n, n linear factor. Là, sa ligne facteur là, x plus n, nous servit. Nous pouvons diviser par 2x cube, retire x square, retire 5x, retire 2. Alors, nous pouvons faire sa division là pour retenir l'autre facteur. 2x cube divisé par x fait 2x square. 2x square fois x fait 2x cube. 2x square fois positive n fait positive 2x square. Nous subtract. Ici, il est éliminé. Négatif nx square retire positive, divine négative. Négatif nx square retire 2x square fait négatif 3x square. Ça deux termes là nous descendent. On a négatif 5x et retire 2. Négatif 3x square divisé par x, divine négatif 3x. Et négatif 3x fois avec x et fois avec n. Négatif 3x fois x fait négatif 3x square. Et négatif 3x fois positive n fait négatif 3x. Nous subtract. Ici, il est éliminé. Là, il est pour venir négative 2x. Avec nous descendre sa terme là, il y a négative 2. Négative 2x divisé par x fait négative 2. Et négative 2 fois x fait négative 2x. Et négative 2 fois négative fois positive n fait négative 2. Nous subtract, remainder vint 0. Alors, 2x cube, retire x square, retire 5x, retire 2. Il vint x plus n fois 2x square, retire 3x, retire 2. À ce next step qui nous pouvons faire, nous pouvons essayer de décomposer sa quadratic expression là, fait divisé en deux linear factor. Alors nous pouvons factoriser sa quadratic expression là, 2x square, retire 3x, retire 2, nous pouvons 2x square. Alors nous verrons deux chiffres qui quand nous multiplier product pour vous avez a times c, 2 fois négatif 2 fait négatif 4, et quand ajoute zot, vous avez négatif 3. Alors ça deux chiffres là, c'est n et négatif 4. Alors nous mettons ici négative positive nx. Avec négatif 4x, après on a négatif 2. Next factorization by grouping, nous factorise x, il faut venir 2x plus n. Et si nous factorise négatif 2, il faut venir 2x plus n. Dernier compound factor, on a 2x plus n avec x retire 2. Alors sa quadratic factor là, il vient 2x plus n fois x retire 2. Alors, 3 facteurs de 2x cube retire x square retire 5x retire 2. Au commencement, nous avons un linear factor qui est notre quadratique facteur, mais là, il y a 3 linear factors. C'est-à-dire, n là, il y a x plus n, l'autre là, il y a 2x plus n, et qu'il y a un troisième linear facteur, il y a x retire 2. But, si c'est, write 2x cubed minus x squared minus 5x minus 2 as the product of 3 of its factors. Nous ne faisons pas la partie B. Il y a 2x cubed, retire x squared, retire 5x, retire 2. Alors, product of three linear factors, le x plus n, fois avec 2x plus n, fois avec x retire 2. Alors, quand nous factorisons, ça nous trois réponses. X plus n, qui peut fois avec 2x plus n, fois avec x retire 2. Ça, c'est partie D. Et partie E, nous pouvons solver sa cubic equation là. Left hand side là, c'est sa quad cubic expression là qui nous factorise. Nous pouvons écrire sa réponse. X plus n, 2x plus n, avec x retire 2,
et que right hand side dit 0. Next step, nous pouvons dire qu'il y a either x plus n égale 0. Nous pouvons dire x égale négative n. X devient négative n ici. Ou 2x plus n égale 0. X pour une négative half. Ou dernier, nous avons x retire 2 égale 0. X pour une 2. Alors nous avons answers, nous avons 3 réponses. X pour une négative n. Négative half avec 2. Ça c'est parti E. Exercice 10 partie A. Find one factor of 5x cubed minus 3x squared minus 32x minus 12 using trial and error. Alors ici, expression f of x égale 5x cubed, retire 3x squared, retire 32x, retire 12. Alors nous pouvons sélectionner différents valeurs jusqu'à nous gagner une correct value. Alors, x égale 0, f of 0, si nous remplacer, divine 5 fois 0 power 3, retire 3 fois 0 sur square, retire 32 fois 0, retire 12, qui fait négatif 12. Nous essayons l'autre valeur x, x égale n, f of 1, divine 5 fois n power 3, retire 3 fois n sur square, retire 32 fois n, retire 12, ça lui pour faire négatif 42. Next, nous c'est x égale négative n, f de négative n, dépouvine 5 fois, négative n power 3, retire 3 fois négative n sur square, retire 32 fois négative n, retire 12, réponse dépouvine 12, pas bon. Et l'autre valeur x nous pouvons essayer, nous c'est x égale 2, alors f of 2, dépouvine 5 fois 2 power 3, retire 3 fois 2 sur square, retire 32 fois 2, retire 12, ça libère de nos réponses négative 48, toujours pas bon. Nous c'est x égale négative 2. Alors f de négative 2, divine 5 fois négative 2 power 3. Retire 3 fois négative 2 sur square. Retire 32 fois négative 2. Retire 12, ça libère de nos réponses 0. Alors sa réponse x avait correct. Nous envoyons sa chiffre à droite là, nous mettons à gauche, divine x. Plus 2 égale 0, alors ça c'est nos facteurs. One factor, c'est x plus 2. Next, nous pouvons servir long division pour semaine l'autre factors. Alors ici, on a x plus 2. Nous pouvons diviser par 5x cube, retire 3x square, retire 32x, retire 12. Alors nous diviser, 5x cube divise par x divine 5x square. Nous pouvons multiplier 5x square fois x fait 5x cube. 5x square fois positif 2 fait positif 10x square. Nous subtract. Si nous subtract, 5x cube retire 5x cube est éliminé. Next, on a négatif 3x square retire positif 10x square qui fait négatif 13x square. Nous descendons ça de TM là. Divine négatif 32x retire 12. Next, négatif 13x square divise par x fait négatif 13x. Et que négatif 13x fois x fait négatif 13x square. Et que négatif 13x fois 2 fait négatif 26x. Nous subtract. Ici, éliminé. Next, on a négatif 32x retire négatif 26x. Il faut faire négatif 6x. Et que dernier terme, nous descendons négatif 12. Et que négatif 6x divise par x fait négatif 6. Négatif 6 fois x fait négatif 6x, c'est que négatif 6 fois positif 2 fait négatif 12. Nous subtract, remainder vint 0. Alors 5x cube, retire 3x square, retire 32x, retire 12. Nous avons deux facteurs, un linear factor et un quadratic factor. Alors là, nous pouvons essayer de faire ce quadratic factor là vint en deux linear factors. Est-ce qu'il est possible? Alors nous pouvons checker ça. Nous avons 5x square, retire 13x. Retire 6. Nous pouvons factoriser. Nous avons deux chiffres qui nous multiplier pour une A times C. 5 fois négatif 6 fait négatif 30. Et que ça deux chiffres là que nous pouvons ajouter pour une négatif 13. Et qui ça deux chiffres là ça? C'est, nous remarquons ici, 3 fois 10. Nous sommes capables de faire
6 fois 5, nous avons besoin de ça, des chiffres là ici. 2 et négatif 15, je pense que c'est correct. 2 négatif 15. Alors ici, pour une 5x² plus 2x, retire 15x, retire 6. Nous factorisons x, il pourrait 5x plus 2. Et si nous factorisons négatif 3, pourrait 5x plus 2. Alors, compound factor 5x plus 2, qui pour fois avec x retire 3. Alors, nous restons ici qu'à sa quadratique expression là en tout linear factors 5x plus 2 et x retire 3. Alors, ce ben facteur qui nous gagne, c'est x plus 2, virgule, 5x plus 2, et dernier là, x retire 3. But you see, write 5x cubed minus 3x squared minus 32x minus 12 as product of 3 of its factors. 5x cubed retire 3x squared retire 32x retire 12. Alors nous gagnons ce 3 facteurs x plus 2. À ce product, nous pouvons multiplier les avec 5x plus 2 sur l'autre facteur. Et qu'un dernier facteur, c'est x retire 3. Et quand nous factorisons, nous gagnons ces 3 réponses là qui pour multiplier 5x plus 2 fois x retire 3. Et dernier, nous pouvons solve sa cubic equation là. Left hand side, nous pouvons factorize sa expression là, devine x plus 2 fois 5x plus 2 fois x retire 3 égale 0. Dans la next step, nous disons either x plus 2 pour égale 0, x pour une négatif 2, ou 5x plus 2 égale 0. X pour une négatif 2 sur 5, ou x retire 3 égale 0, x pour une 3. Alors, ben, answer ce qui nous peut gagner, c'est x égale négatif 2, x égale négatif 2 sur 5, et x égale 3.